quand même des gens qui sont prêts à... Prêt, c'est sûr, on va gagner, c'est une question de temps. On se rend pas compte qu'on a un pouvoir d'usure qui est plus important que... Donc je pense que c'est pas les gilets jaunes qui vont s'user les premiers. Ah non, ça serait fait déjà. Ah oui, oui, parce que là, un hiver, un été, quoi, qu'il faut plus. Mais... Et en plus, ça c'est devenu protéiforme. Il y a une partie des gens qui sont dans les manifs, d'autres qui sont dans les commissions, d'autres qui sont dans une imagination de ce qu'on va faire plus tard. Enfin, ouais. Ça c'est beaucoup plus structuré que bien des gens le pensent en fait. Avec des temps très différents et pour chacun leur rôle. C'est vraiment en train de se construire. Mais bon, on verra. En tout cas, il faut y croire. Donc t'es positif pour l'avenir en fait. Oui, il faut. Quand ils sont sur une base de droit, ils font leur travail et il y en a qui le font d'une manière raisonnable. Quand ils acceptent de faire des procédures humiliantes ou qui font atteinte à la dignité de la personne, là ils font de la politique et c'est pas normal. Et là ils devraient refuser de le faire, c'est-à-dire mettre quelqu'un par terre violemment en lui mettant des menottes alors que c'est juste pour un contrôle d'identité par exemple. C'est pas normal. Là, ils ne devraient pas accepter. Là, ils font de la politique, ils font plus du service d'ordre. Donc voilà, c'est ce que je leur ai dit. En fait. D'accord, d'accord. Et ils m'ont dit que je ne connaissais pas bien leur métier. Attention. Doucement.